Pour l'honnêteté intellectuelle, cette partie-là a été complète, copiée, à partir d'un colloque qui vient d'être fait sur la formation. Professeur Abdelhadi Jabiri, président de l'association d'astronomie amateur de Marrakech, membre de l'observatoire universitaire Qadir Iyad à Al-Ukeymiden. Alors cette année, nous organisons la 21e édition du Festival d'astronomie de Marrakech. Les nouveautés de cette édition, c'est qu'il relance le festival après 2 ans de rupture causée par la propagation de la pandémie. Les autres nouveautés, je peux les résumer dans les points suivants. Premièrement, c'est la coopération pro-am entre les professionnels et les amateurs. Par cette édition, on essaie de rendre hommage à cette coopération en organisant ensemble cette édition. Donc, les amateurs vont animer des démonstrations en live pour des passionnés d'astronomie. Parmi les nouveautés, il y a une table ronde qui va être animée par une doctorante sénégalaise. Alors, cette doctorante sénégalaise va animer cette table ronde sur la thématique d'astronomie. Bien sûr, il a toute la semaine, il a essayé de contacter des personnes qui œuvrent dans ce domaine, en Afrique, bien sûr. Parmi les nouveautés aussi de cette édition, on essaie d'organiser une formation pour les professeurs de collège dans des disciplines bien spécifiques de l'astronomie. Donc c'est pas général, mais c'est un peu pointu sur la spectroscopie, sur les exoplanètes. Aussi, parmi les nouveautés, cette année, on essaie de rendre hommage à deux personnes qui ont marqué ce domaine d'astronomie amateur au Maroc. Alors, ces deux personnes, c'est le professeur Dermawi Hassan et le docteur Talibi Hassan. Donc, ils sont tous les deux membres du NOC, c'est-à-dire le Comité National pour l'Astronomie. Voilà, donc une dernière chose, cette année on a essayé d'élargir un petit peu le champ d'action du festival. Généralement le festival, son champ d'action c'est limité à la région Tensif Lhaouz. Cette année on a essayé d'intégrer la région d'Orhamna par une coopération entre l'association et l'université Mohamed VI de Belgrade et aussi lycée d'excellence. Voilà, c'est ça, un petit résumé des nouveautés de cette édition du festival. Merci. L'astronomie amateur qui a eu naissance à la faculté nationale il y a plus de 20 ans. Donc, c'est avec grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui même les activités de la 21e édition du Festival d'astronomie de Marrakech. Cette année organisée sous le thème de apport de l'astronomie amateur pour l'astronomie professionnelle. Cette thématique cette année est choisie pour dédier un grand hommage et une grande reconnaissance aux amateurs par leurs observations, leurs travaux, qui sont très 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 valorisantes et qui après pourront servir à des sujets de recherche scientifique pour les professionnels. Exemple, la découverte de supernovas, découverte d'étoiles variables, découverte de pas mal d'objets célestes. Et cette semaine connaîtra l'organisation de beaucoup d'activités dans différents lieux. Quelques éléments d'information. Moi-même, j'en ai appris en essayant de la préparer un peu. Alors, je demande votre indulgence. Je parle d'un sujet qui n'est pas purement astrophysique, astronomique, donc ce n'est pas mon domaine de spécialité, c'est plutôt plus général. Mais j'essaierai.
directeur de l'Observatoire universitaire canadien, situé à Brooklyn, et président de la Fondation Atlas d'Artsakh. Là, nous sommes dans le cadre de l'inauguration du Festival d'astronomie et j'ai eu l'honneur de présenter une conférence qui est autour de la thématique du ciel étoilé. Alors, dans la conférence, on a fait un peu le tour de comment l'astrotourisme peut être développé tout en développant cette problématique de protection du ciel et donc de lutte contre la pollution lumineuse. Ça, c'est un pendant. L'autre pendant, c'est l'apport des astronomes amateurs à ce genre d'activité. Comme je l'ai dit au cours de la conférence, il y a des astronomes amateurs qui sont bien plus nombreux que les astronomes professionnels. Et ils peuvent maintenant de plus en plus s'équiper avec des instruments de haute qualité et ils peuvent donc aider les astronomes professionnels, même dans les thématiques scientifiques. Et nous comptons sur eux en particulier pour ce lobbying qu'on est en train de mener pour la protection du ciel étoilé.